C'est un vieux tueur qui m'a enseigné comme ça. Et il m'a dit, allez, il te faut aller là. Et ça s'est bien passé, et j'ai pris le... J'ai jamais eu tellement de problèmes, quoi, je veux dire, ça c'est... Où c'est que je l'ai tué la première fois, le paysan m'avait dit, moi, essaye, il faut essayer de le tuer parce que je ne veux plus revoir cet homme par la cour. De faire souffrir une bête, quoi, ça le dépassait un peu. Alors, il a cherché un gars qui en faisait quelque chose, il n'en faisait pas beaucoup, mais qui savait le faire comme il faut. Et voilà, c'est parti comme ça. Jamais j'avais pensé un jour... un peu, c'est vrai, la première fois, c'est pas évident, hein. Un respect de la bête, faire souffrir une bête, c'est pas normal. Bon, il y a le stress, il y a un peu c'est sûr que... Mais quand même, il faut respecter la bête. Ah, mais ça m'arriverait d'en louper 4 ou 5 en derrière l'autre, c'est fini. Là, c'est un truc que j'ai toujours dit, si je me mets à les louper, ou ça, c'est fini. Hein. Allez, on va aiguiser le couteau. Voilà. Deux derrière et une autre devant. Et qui c'est qui le prend devant? Ah ben je sais pas moi. Oui, il faut être un peu solide comme toi. Parce que nous on n'est pas solide. Oh, avant je l'ai tenu devant. Maintenant. Ah ben mais oui, non, mais c'est vrai. Non, si. J'ai du mal à en tenir une. Oh. Si t'en auras pour faire une bonne sanguette.
Mais quoi, pelle ou pète, tiens. Pas loin. Pas loin. Pas loin. Voilà. Il a une masse. Oui, j'ai une côté côté. Il suffit de boire la bière. Oui, mais j'ai un peu parlé. Là, au pied. Vous ne voulez pas au moins? Non, non, ça va. Ah oui? Non, mais pas. Tu veux qu'elle là? Non, 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 non. Non, mais reste même. Oui, copain, copain. Oui, copain. Ah bon? Ah, repartez. Il y a un truc c'est les Il y a pas de chimique. C'est bon. Il y a des pâtes là, madame. C'est rail, ça represte un percoupé à le quart. Oui, oui. Vous aurez déjà combien? Je la mets là, dessous. Oui, oui, comme d'habitude. Tu veux la faire parmi eux ou le père? S'il te plaît. Ça sera le fait. Oui, mais il reste pas court. Ah, je sais. Bonjour, les instructions, vous allez. Et attends, je t'enlève la langue. Vas-y, attends, je te sors ça. Voilà. Le truc anti-régime qu'il est en train de faire là. Il faut en couper pour. C'est ce qu'il faut. Il te donnera ce qu'il faut. Bon.
plein de choses avec. Les abattoirs, c'est à l'envers, ils ouvrent par le ventre. Tandis que là, la colonne vertébrale. Chacun son métier, enfin son métier. J'aurais besoin de ça pour mettre la viande. Parce que là, elle va pas aller. C'est du traditionnel. On avait des autres bassines, mais j'ai la corbeille. Le principal geste, c'est de le saigner comme il faut. C'est surtout le. Pour la conservation aussi. Ah oui, parce que s'il reste du sang, tout ça, c'est. Attends, les filets mignons. C'est une petite blanchette, ça, non hein. Le chien, c'est impeccable pour le chien. C'est ça, t'as qu'à le jeter. Titi. Même sans lame. On va voir, j'ai qu'à les jeter. Laisse continuer. Les reins. C'est vrai que le cochon, c'est blé ou la bête le plus. Même les poils, ils utilisent. Ah oui. Oui, oui, il est gardé les poils autrefois. Moi, je me rappelle quand on se rappelle avec la machine. Pour faire les blaireaux. Oui, oui. De la soie, il a gardé pour faire des blaireaux, pour faire des pinceaux, je crois. Oui, oui. Je... Pinceaux. Je me rappelle, moi, de la... Et les premières brosses à dents. Les premières brosses à dents étaient en poil de cochon. Dans le cochon, c'est vrai que tout se mange. Aquel d'aquí n'avait pas de brosses. C'est la rapte. Oui. J'ai la rapte qui se dilate. On ne voit pas comment les arracher. Les arracher avec la pince. Voilà les tripières. Merci. Allez, la vessie. La vessie, dans le temps, ils imitaient la graisse. La graisse, oui. Ils imitaient les fritons. Les fritons. Et oui, oui, oui. Ça faisait comme une pierre. Ils mettaient une pierre dessus pour les tasser. Et Mme Keirel, vous voulez la vessie pour y mettre la graisse? Toutes les fermes, même les particuliers, tout le monde tue un cochon, ils avaient pour faire mais avec ça, ils n'allaient jamais reboucher. La provision pour l'année. Le boucher, c'était rare. Je ne suis pas vieux, je me rappelle le premier beefsteak que j'ai mangé à 9 ans. Le pot-au-feu à Pâques. Ah, le pot-au-feu à Pâques, c'était sacré. Mais après, la viande de bœuf, il n'y en avait pas. C'est vrai que c'était sacré. Le beefsteak, c'est ça. Je pense que les cochons, on les voit. Toute la viande, comme on fait dans les fermes. Oui, attends, mange la semaine. Le plus mauvais morceau, c'est celui-là. Oui. C'est le lard. Celui-là, c'est le lard qui fait conserver la saucisse. Hein. Si tu mettais que du maigre, tu ne conserverais pas. Une côte. Oh, il faut en faire pas mal quand même. Plus on en fait, plus. C'est vrai que ça fait un moment que j'en fais. Enfin... Oh. Fille, hein. Oui, un cochon de ce poids est plus facile qu'un de 300 kilos. Les pièces sont plus lourdes. Les... Enfin, c'est un peu le même truc. Mais une viande rouge comme ça, c'est parfait, là. C'est vrai que c'est... Ah, il est beau, il est beau, ouais. Ouais. Et il faut le prendre au fur et à mesure... Tu peux pas commencer par enlever le jambon, c'est pas possible. Et tandis que là, bon, petit à petit, ça se... Chaque morceau a sa façon de découper. Y a pas de... Là, c'est la longe, bon, oui. Il faut l'enlever comme ça. Ou on l'ouvre par le ventre, comme font tous les bouchers pour dire de faire... comme la longe, il laisse tenir avec la côte. C'est ce qui fait la côte, pour bon, oui. Tandis que là, c'est... La colonne vertébrale, c'est à part. C'est une mode comme ça, je ne sais pas pourquoi. C'est une habitude comme le tout, mon frère. Voilà. Il faut éponger un peu le sang pour le peu qui reste. Il n'en reste pas beaucoup, mais il y a toujours quelques points de. Quelques petites veines qui ressortent et qui, bon, il faut quand même le... que la viande soit nette. Le principal, c'est de saigner, de bien saigner une bête. Voilà, le jambon. Le presser le maximum pour dire... Qu'il ne reste pas de sang, parce que le sang, s'il reste dans les veines, ça risque de... De gêner la conservation. Mais...
Les jambons. Je vais le monter directement. C'est pas les jambons de Bayonne, oui. Pourri, tiens. Ah oui, oui, ah ben il fait. En général, il fait 10% du cochon. Dans le temps, on les ouvrait par terre. Ouais. T'avais pas. Là, c'est ouais. Ouais, sur la paille. Oui, oui, oui. Tandis que là, on est quand même plus à portée, même que par terre, soit pas trop propre, que tu salis rien du tout. Et puis, rien que pour. T'es moins baissé, quoi, t'es moins. C'est ce qui a changé un peu les 20 dernières années, quoi. Mais... Ça caille vite, hein. Ah oui. Puis là, on pourra vendre. Sinon, les tripes se démolissent. Eh oui, ça se déchire. Enfin, les tripes et saucissons. La saucisse et les saucissons. Oui, tripes. Quand ça sera propre. J'ai un carapignon. Voilà. Là, arbre sur l'hiver. Et ça, attendez, parce qu'encore ça tient. Non, c'est pas une... Ici. C'est pas une tripe, ça, non. Le temps, c'est vrai que, en gros, comme là, bon, mais dans une heure et demie, normalement, le cochon, de le saigner et de le finir, une heure et demie, se fait facilement. Fait facilement. Mais c'est pas un métier d'avenir, hein. Tu le coupes par le milieu ou en trois? Pardon. Mais en deux, comme tu prends l'autre, c'est pas un morceau. Voilà, alors ça, c'est la ventrèche. Je vais te chercher quoi, du poivre et oui, tu, de l'ail, non? On ne sait pas, pas trop. Ouais, d'accord. Ah non, mais c'est embêtant. Et de la ficelle à saucisse. Non, pas à saucisse. Si, 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 si. La petite, non? Ouais, ouais. Et les veines qui arrivent, alors il y a toujours un petit peu. Alors bon, une fois qu'on roule la ventrèche, s'il reste du sang dedans, c'est toujours... Parce que dans le temps, le cochon, chaque propriétaire élevait son cochon, ou deux s'il fallait. Ils faisaient des patates, ils achetaient la farine où ils la faisaient. Et ouais, les endroits à côté de par là, t'avais ouais. un petit bâtiment qui y avait pour les cochons. Et tout ça, ça s'est perdu petit à petit. Ah, mais c'est une campagne se vide complètement. Et encore, on est un petit coin qui, dans les fermes, il est resté quelques jeunes, encore bon, mais. Avec les levages, mais les fermes ont grandi. Dans 20 ans, je ne sais pas le payer. Il leur faut 5 hectares maintenant. Hein, c'est ferme. Il va arriver un moment que tu ne sais pas. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Tu sais, moi, j'en ai fait presque une maladie quand la fille n'a pas voulu rester. Eh oui, mais... Mais tout à coup, je la comprends presque parce qu'elle s'emmerdera moins à faire autre chose que... Je ne sais pas. T'en mets trop, je me demande si ça ne fait pas rancir un peu. Ça fait rancir, là, oui. Oui, c'est le cas de le dire, oui. Non, là, c'est pour donner un goût, quoi. De, oui, c'est tout. Celui qui... Hop, c'est bon, maintenant. Mais pourquoi? Celui qui aime, là, il y en a qui l'aiment pas. Je prends ça, là. Mais là, on ne faut pas, quand même, parce que... Mais allez, il ne faut pas exagérer, quand même. Bon, c'est toujours assez salé, mais il faut quand même un peu... pour la conservation. Ah mais moi quand c'était moi qui le faisais, je l'ai fait. Je l'ai roulé, je l'ai ficelé. Et c'est vrai que bon, il n'y en a pas beaucoup, ils le font. Terminé. Oui, c'est vrai, là. Ils le mettent au sel un petit peu, et voilà. On y va dans un an, il est... Il y a mort, même. Il y a juste le... Et là, tout à l'heure, on mettra le lard. Marc. Quand on le ressort du sel, là, on le lave au jet. Voilà. Et ça, je pense que ça refait partie un peu du sel. À des endroits,
et mettre dans un orge comme ça, plein d'eau, ouais. Tu vois, pendant 2 heures, 2 ou 3 heures. Moi, je sais pas, le gars qui me l'a dit, au départ, j'ai dit, tu te fous de moi, un peu, mais il m'a dit, je te promets que c'est vrai. Alors, il le laisse égoutter, bien égoutter, il y fout un coup de mion là-dessus, ou un truc bon, rien que pour arrêter les mouches. Ou... Mm-hmm. Ah, mais ouais. moi, quand je les suis bien oui. sec, et je remets du poivre, par contre. Oui. Et après, dans le col, non le... Ah, non, et juste, et après, et dans le sac, dans le sac, mouche, là. Et... Ouais. Je pense que la charcuterie, il faut la faire comme quand tu as l'habitude de la faire, qu'elle se conserve. Il suffit de boire un peu de bière, et voilà, un peu de bois et des capsules dessus. Et... Des bouchers le font aussi. Tu veux un demi-cochon, tac, ils te donnent un demi-cochon. Tu le prépares à la maison sans faire de tralala, sans embêter personne, quoi. Parce que quand même, il faut un peu de personnel, hein. Pour tuer un cochon, il faut un peu de personnel. Ah oui. Il y a quand même un peu de boulot, c'est un dérangement. Mais oui, parce que peut-être que ça ira aussi, tout ça, non ? Non, c'est pas avril. Oui, mais il y a tout le courant d'air. Le ventre, c'est la femme qui le font. Les tripes, c'est les femmes. Parce que c'est pas trop propre. Les hommes, ils savent pas faire ça. Ici, c'est pour faire le voyou propre. Oui, j'ai mis un os pour chacun, quoi, de la colonne vertébrale. Ça fait comme du pot-au-feu. Ça, c'est plus intelligent. Avant le reposer.
C'est pas même notre ferme qu'on peut. Mais cette fois, ça me fait chier, là, non. Il devrait pas y être, cette fois-là. Eh oui, c'est parce que... N'attendez pas de bruit. Le cœur, il est rognon, mais il faut la faire bouillir avant pour faire, sortir toute la mousse qu'il y a dedans, si vous voulez. On le fait cuire 5 ou 10 minutes, enfin. Ça, on le coupe, comme la viande à saucisse, pareil. Par contre, on y met de l'ail dans celle-là. On y met de l'ail, on sale, on pèse, on poivre, et on y rajoute un peu de chair à saucisse, enfin de viande à saucisse avec pour qu'elle soit meilleure, quoi. Voilà. Et on la mange, on la fait sécher un jour ou deux à la perche, enfin, et après on la mange soit à la soupe ou soit avec des lentilles, mais c'est très bon, ouais. Nous on l'aime sèche, on la mange sèche. Un cochon pour deux personnes, ça fait trop sur une année. On mange pas de la saucisse tous les jours, on mange pas du cochon tous les jours quand même. Mon mari, c'est saucisse, c'est saucisson. Lui, ça, c'est... Et on a une fille qui est pareille. Après, le reste, les boîtes de pâté, ça, c'est secondaire pour lui. Mais bon, il faut bien les manger, de toute façon. Alors, de temps en temps, bon, on en fait passer entre la saucisse, parce que sans ça, c'est pas la peine de faire du cochon pour le jeter. Hein. Bon, alors, le pâté de tête, nous, on n'est pas tellement pâté de tête, nos enfants non plus. Alors, ce qu'on fait, on la fait cuire au courbouillon, comme on fait le pâté de tête. Et après, je rajoute ça dans les fritons. Alors le boudin, c'est pareil. On récupère du sur le cochon les parties saigneuses qu'on appelle, c'est-à-dire bon là où il a mis le couteau, bon il y a toujours du sang, c'est rouge. Alors ça, on le passe à la machine avec des oignons et un peu de gras. Pour farcir le boudin. Alors on le fait cuire et après, bon, quand c'est, il ne faut pas que ce soit trop chaud, on mélange le sang avec et on enfile dans les boyaux. Oui, mais il faut bien. Vas-y. Bon, oui, c'est
Donnez-moi un pain. Il me dit, j'arrive pas, il me faut aller chercher les gamins à pied. Vas-y maintenant, c'est pas la Janine qui va te faire ça. La mixité, c'est la mixité. Pas plus Je ne vois pas quoi, ouais. Moi, je sais qu'une année, Oui, tu peux pas. Tu es dans la cour de Didier Dijol, de Denis. Oui, oui, oui. Tu sais, pour les hommes comme ça. Oui. Le propriétaire de la vache, il dit, mais il n'y a pas de problème, on va faire marcher l'assurance. Puis ils te payeront un pantalon. Et c'était l'abbé Alazar qui m'a de soulage ici. Tu l'as pas compris. Il avait fait 1000 vers sur le jour en cuir cochon. Ah ben en patois, oui. Parce que chaque fois sur le chenou, il n'avait pas fait un livre en patois. Oui. Il avait. Mais si, mais non, ça n'allait pas bien. Mais, bon. Il me les avait fait lire, bon, j'ai, sur le moment. J'ai pas pu. Non, 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 essayez de chemin nous. Si, si, ça doit aller. Oui, mais nous on est licenciés après, si, on ne fait pas bien. Ok. Si, si, tu vas l'arrêter. Qu'est-ce que vous faites, madame? La saucisse. Vous mangez les saucisses là. Allez, faire pas trop longtemps. Je vais appeler ça. Jean, il a reçu aujourd'hui un calendrier avec les... Oh, copicine. Non, non, reste, reste. Faut me le dire, moi. C'est le culard, il est dans le culard. C'est le gros, ça va. Le culard, il pète. Ouais. Là, stop, parce qu'après, il se trompe. Ceux-là, ils sont venus passer. Oui, c'est pas ça. Il va lâcher, non? Ah, je crois, oui. C'est oh, pas ça. Il a pété. La saucisse, là, plutôt. Oh là là, il pète. Tous y pètent. Oui, mais c'est toujours la même. Mais bon, je crois pas. Oh, mon pétard. Non, 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 on pétera pas. Vous croyez? Il a preuve. C'est les grandes. Ça y est pas, hein? Non, non, il n'a pas pété. Il n'a pas pété, mais. Qu'il est juste, ça y est. Non, non, pas pété, pas pété. Non, 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 pas pété. Je ne peux pas rester là. Non, 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 pas. Si, t'as tiré tout le j'arrive. Rifaccio, qui n'avait pas besoin d'elle, c'est qu'à double, si. Non, non, pas la saucisse. Allez. Allez. Oui. Allez. Tu as un zéguidon, toi? Tu prépares? Oui, oui, j'ai préparé, oui. Ah, mais il l'a fait tout? Oui, oui, oui. Ah bon? Ah, oui, mais il en fait, il en vend vivant, mais plus, plus maintenant. Ah. Alors, il faut le signer, il faut le préparer, il faut... Il le fait avec sa mère? Oui, mais tu en as deux, tu vois. Il est voisin. Oui, oh, ah, il a été soigné vite. Ah, l'hiver dernier. Ah oui. Faut le dire vite. Qu'est-ce qu'il y avait pour moi? On parle de chevaux. Non, il est décédé celui qui avait l'air de chevaux. C'est celui avec Sam. Là, le Léon. Mais encore, il a la ferme. Ah. Ici, j'avais peur qu'il se sauve. Ah. J'avais pas compris. C'est bon. C'est sûr, là. Non.
Je fais attention. Oui, il a... Je n'ai pas voulu. Tu es en train de... Non. Oui, la porte aussi, bien sûr. Comme il vaut trop. Ah, ici, c'est pas plus petit. Ah, le coutel. Le lait, même parcours. On l'a fait tourner. Tu veux la faire tourner comme ça? Comme ça, oui. Ou alors... Oui, on fera un peu de chaque. Toi, tu surveilles là-bas et moi ici. Pour l'instant, c'est là. Si tu continues comme ça, c'est bon. Compliment. Ça va trop. Mais on l'a laissé faire après. C'est bon, ça, c'est joli. Ah, mais c'est quoi? Ah non, je crois que c'était quoi? Il vaut mieux pas la mélanger. Non, il faut pas la mélanger. Dans le casserole, c'est le truc plus commun. C'est plus commun de faire comme ça quand t'es sur l'ombre. Oui. Quand elle est sur l'ombre. Sûrement, oui. Ça part dans le bar, c'est la mer. Laissez un peu de marge parce que là c'est trop serré, on est dehors. Ouais. On ne peut pas nous grand-mère. Il faut l'attraper au milieu, là. Attraper quoi? La saucisse. Les gens qui passaient, ils rient. Passons dans le grand piquet, là. Ouais. Oui, passons dans le... Tu veux la passer par là, tu? La passer d'où pour la famille, quand je dis. Ah. Qui t'es pas déjà? Non, mais j'en tiens, moi. Oui. Tu peux avancer un peu l'eau, là. Oui. Là. Et là, il faudra peut-être qu'il arrange un peu les femmes. Oui. Elle va pas mal, là. Mais il y a pas le mal. Parce qu'il faudra l'amener un peu ici. Oui, d'accord. La faire au cours ici, là-bas. Là. Et... C'est possible, là. Oui, là, tu vas la manger. Oui. Voilà. Et mettre l'entre suite ou la robe. La raclante qui est sec. Ça bougera pas là. Non, mais là ça peut pas partir. Ils vont dégouliner là, regardez. Oui, ils vont dégouliner. Alors, alors dans deux ou trois jours, il faudra les changer. Voilà, vous le dites. Oui. Il faudra venir nous aider à les changer. Une simulation. Oui. Ah, mais ça m'arriverait d'en louper 4 ou 5 en derrière l'autre. C'est fini. Là, c'est un truc que j'ai toujours dit. Si je me mets à les louper, ou ça, c'est fini. Hein.